Téléspectateurs Télévision Nationale d'Haïti, une belle salutation pour nous tous. Jeudi à Télévision Nationale d'Haïti trouvé et sous route la Badia qui pral officiellement ouvert à circulation. Route ça qui était faite en roche, qui était faite en terre battue. Journée jeudi à toutes 6 km là sorti en bas dans ville au cap privé ici là en haut la Badi, et bien toutes 6 km là li entièrement asphalté. Ça qui fait plaisir moun dans zone là qui ba impression yo parce que nous connaît la Badi c'est un pôle touristique qui est très important dans le département Nord-Orléans et ça va augmenter la quantité de visiteurs dans la Badi. Là, nous trouvons nous dans la localité Fort Bourgeois, une localité que nous passé avant d'arriver à la Badi. Les gens ont exprimé, ont dit ce qu'ils pensaient parce qu'en pile, nous avons parlé dans la route, ont dit qu'ils ont souhaité que vous capable de bénéficier de avantages touristiques qui ont gagné. Augmentation visite yo qui pral gagner dans la Badi pour yo même qui sous toute route là pour capable joindre nan avantage ça avantage au niveau économique par exemple nous connaît les touristes vini touristes là acheter touristes là descendre dans hôtel touristes là manger produit local donc touristes là acheter tout œuvre artisanale yo. Donc yo t'a souhaité que président république là penser avec yo gen moun qui dit yo t'a souhaité que gagne des petits business qui fait sous toute route là des petites carroute yo t'a souhaité tout artiste exposer œuvre yo sous toute route là. Donc, un monde qui vient visiter la Badi, on peut seulement acheter les supports là, les ou dans la Badi, les ou bord plage là, mais il y a une possibilité pour faire achat sur toute route là, ça cap permettre retomber économique yo, river joindre l'autre localité avant joindre la Badi. En gros, c'est ça. Télévision Nationale d'Haïti a pas avec pendant toute journée pour aider suivre toute cérémonie, toute étape journée. Arrivé président République là avec invité de marque, inauguration route là, discours président République là. N'a pas rien pour nous suivre tout ça avec Télévision Nationale d'Haïti. À tout de suite. Son route nous a souffert pour longtemps. Donc à bon ça, gouvernement passé au tracé. Tracé sous tracé, mais pas jamais bien qui fait. Mais gaz bon dit, puis HTK a venu puis et exécuter route là pour nous. On dit merci parce qu'il est venu dans la poussière, parce que on peut imaginer sa poussière capable faire cerveau monde. On peut créer un peu de maladie. Et c'est pour ça que je suis toujours à courir équipe HTK dans tout sens. Moi-même, je viens de habiter dans la zone, non, mais quand même, je suis satisfait de tout. Parce que si toutefois que je viens de la zone là, et puis route la fête, et quand même parce que y a plus de monde capable de visiter, ainsi tout le monde là vient capable de valeur du plus à cause de monde qui vient visiter, vous comprenez? Et route là sont gros bagage, surtout à cause de la Badi, à cause des touristes qui viennent là. Quand même faut me dire ça, et ça son gloire, il mérite un gros bravo à cause de route là qui fait là. Ben, ça que n'a pas tant connu, comme je t'ai dit que c'est route là qui attend pour fin fête pour touristes capable venir. Quand il y a la route la fin fête, les touristes vont descendre, que les touristes sont supposés commencer à descendre parce que quelques jours, bon quelques temps depuis la route la finie là, on est là, on attend pour les touristes capables de descendre. Ce n'est pas pour moi-même directement, mais pour l'autre monde qui a une idée, qui est artiste pour capable faire artisanat, pour capable vivre. Et moi, je crois que depuis les touristes ont fréquenté le lieu, quand même, je suis amélioré. Merci en pile Sabine Jean et Tiana Jean-Naël Duvernay. Là, c'est moun dans zone la Badi qui a dit nous qui à quel niveau route ça, une construction route ça pour être capable pour autant plus font différence et puis caméraman nous Naël t'a aidé nous font une visite sur route la Badia ou même qui est à l'étranger ou même qui poko n'est-ce pas vrai qui en Haïti mais qui généralement pas fait route ça. Même tout habitué à faire, qui peut faire après les fines, tout travail, ça, on fait là-dedans. Alors là, quand même, nous, Naël, t'es aidé nous, font un petit coup de pied, font une visite via image, l'été prend pour nous, jeudi, on a rappelé, c'est pas qu'un trop longtemps, depuis Outsal, il ouvrit officiellement la circulation. Président de la République, Jovenel Moïse, t'es là-bas, dit matin, il était gars avec lui, représentant Banque mondiale dans le pays, qui, au même tout, était intervenu dans le cadre de la cérémonie officielle pour inaugurer travail construction route Labadie. On a toujours été dans notre pays, face à nous prendre le Nord-Est avec Agritrans. Chaque fois qu'on dit Agritrans, nous pas capable pas songer. Actuel président pays en Jovenel Moïse, mais on a souligné, je dis à l'autre équipe qui a mené et fait maintenant.
Et, mais au fait, président, il y a avec lui un pile invité qui au même été accompagné dans le cadre d'inauguration de route la Badia. Il a profité, fait visiter Fernand et de ouais, ça a été qu'on fait avant d'arriver président, puisque le cap travaille dans la question agro-industrie avant d'être chef d'État. Je veux dire, il n'a pas allé comme responsable Agritrans, puisque ce n'est pas lui-même qui a contrôle Agritrans depuis le film Bac PIA. Mais tu es tenu à et fait et représentant Banque mondiale, l'autre invité qui était là dans le matin, regardez qui qualité de travail tu as fait avant de gagner un contrôle pays d'Haïti 7 février 2017. Là. On a suivi comment ça t'est.
Voilà, nous sommes dans le nord-est, le trou du nord, dans l'Agri-Trans. L'Agri-Trans, c'est une réalité. Nous voyons comment la situation est. Nous voyons et bien, et nous voyons ensemble de monde qui travaille sur ferme. Et le président de la République, Jovenel Moïse, qui a profité du passage dans le nord pour mener le représentant de la Banque mondiale, l'autre autorité qui a accompagné dans l'Agri-Trans. Même si ce n'est pas l'Iodia qui a mené le bac à l'Agri-Trans depuis qu'elle a dirigé le pays. Mais au fait, il était à le montrer et ensemble de invités ça, qui ça le compte fait, et dans qui secteur tu investi, qui sa réalité le t'est avant, et bien tu prends contrôle le pays et suite à l'élection, sur le sal, peut-être seulement 7 février 2017.